de vous retrouver pour une vidéo que j'aime beaucoup vous faire sur ma chaîne. C'est la découverte, la revue en fait de la box que j'adore. Mais bon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, donc en même temps, si vous avez cliqué, c'est pour la voir. Puisque c'est vraiment une box que j'affectionne particulièrement parce qu'elle fait découvrir un petit peu de nouvelles choses. Et ouais, ce mois-ci, de très belles découvertes, et vous allez comprendre un petit peu plus pourquoi au fur et à mesure de cette vidéo. La première chose que j'avais à vous dire sur la box que j'adore, c'est qu'effectivement vous avez des réductions, etc., code promo que je vous laisserai en barre d'infos si toutefois vous étiez intéressé de la commander. Et pour celles qui ne savent pas ce que c'est que la box que j'adore, en fait c'est un esprit parisien, un peu bobo chic, qui est présenté sous forme intéressante et ludique, avec des fiches pratiques, avec des produits en général qui sont cosmé bio, de très belles découvertes au niveau composition, et vous allez voir aussi pourquoi je vous parle de composition dans cette vidéo. Je tenais dans un premier temps à vous parler de ce make-up, puisque certains produits de cette box ont aidé à réaliser ce make-up, mais il y en a d'autres. Voilà, que je tiens à vous présenter, puisque voilà, l'highlighter, c'est le magnifique accord parfait que je mets très très souvent. Donc là, c'est pas le rosé, c'est l'highlight doré, donc le 101, le 102D, voilà, si je ne m'abuse, qui sert d'highlighter aujourd'hui. Ensuite, pour le blush, bah écoutez, c'est toujours L'Oréal, je ne sais pas ce que j'ai avec L'Oréal en ce moment. Et en fait, c'est un mix de ces deux-là, vu que le rouge à lèvres était rouge corail dans cette box, je voulais le mettre en valeur de la meilleure façon qu'il me soit possible de la mettre en valeur, normal. Ensuite, pour ce qui est de la paupière mobile, j'ai utilisé le fard de la Sweet Sparkle Box, qui est censé être un enlumineur blush fard à paupières. Je l'utilise très 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 souvent, ce fard en fait, comme fard à paupières. Pour ce qui est du mascara, c'est le Féline, donc non, le Fatal pardon, puisque le Féline c'est la version verte de L'Oréal, voilà, toujours à L'Oréal. Et pour ce qui est du ras de cils, j'ai posé la couleur claire de mon duo qui s'appelle The Joker numéro 15 de chez Sephora. C'est les nouvelles petites bulles de chez Sephora, donc là, qui sont en duo et plus en mono, mais les mêmes. Si vous voulez une vidéo avec tous mes monos de Sephora, allez-y, mais il y en aura pour, je pense, 2 heures. Bref, on va passer du coup au rouge à lèvres que je porte actuellement, et c'est un de la marque, le numéro 013, mais sur le packaging, voilà, il y a une autre référence qui est le 5111, mais c'est le RAL numéro 013, qui est un rouge corail, voilà, parfaitement joli. Voilà, il est trop trop beau. Alors par contre, ils disent sur le packaging qu'il est rouge à lèvres haute tenue. Non, clairement c'est un crémeux qui n'est pas kiss-proof, donc qui n'est pas sans transfert. Par contre, la couleur, effectivement, lorsque l'on mange, que l'on boit ou qu'on matifie le rouge à lèvres, bien entendu la couleur reste comme imprimée sur les lèvres, et du coup effectivement il peut paraître longue tenue, mais j'ai connu des plus longues tenues, donc c'est longue tenue mais par transfert de couleur sur les lèvres et pas forcément parce que la matière va rester intacte comme un liquide sans transfert, en fait, tout simplement. Donc oui, longue tenue, mais ensuite ça dépend de ce que l'on entend par longue tenue. Et celui-ci est à 13,50 €. Il contient de la cire de carnauba, de la cire d'abeille et des huiles naturelles. Donc vous avez moins 20% avec le code que j'adore 25, valable sur tout le site ELS Beauty. Donc salut, ça c'est une de vous, hein. Et licence Paris, tout simplement. Ensuite, je vais vous parler du crayon Kohl pour les yeux. Donc celui-ci, c'est licence toujours. Donc c'est un liner signature Eye and Kohl, combo contour des yeux et Kohl longue tenue. Longue tenue, oui, il m'a duré toute la journée. Ensuite, vous avez un embout ici pour tailler et pour estomper. Voilà, vous avez l'embout gomme, si on peut appeler ça comme ça. Moi, personnellement, je ne les utilise pas, puisque j'aime bien quelque chose de beaucoup plus diffus, avec un fard par-dessus posé au pinceau fluffy. Donc, dans tous les cas, je peux le recommander, il tient bien. Après, je vais regarder au niveau du prix, parce que, pour le coup, j'ai pas vraiment regardé. Donc, date de péremption 24 mois après ouverture, sans parabènes, d'une valeur de 15,90 € sur ELS Beauty, avec toujours le même code promo, moins 25%, mais dans tous les cas, je vous le renoterai en barre d'information, donc n'ayez crainte, il n'y a pas de souci.
Et donc, ils disent longue durée assurée, 10 heures. Si, si. Et oui, je suis plutôt d'accord avec eux. Donc, on va continuer un petit peu dans la suite de cette box, puisque j'ai testé que le cosmétique qu'il y avait à l'intérieur. Mais il y a aussi plein de choses que vous pourrez retrouver, comme d'habitude, en termes de lecture. Voilà, tout simplement. Et moi, j'aime beaucoup, puisqu'on découvre des jolies choses. Donc, la dernière chose que je n'ai pas testée, et ça, veuillez m'en excuser, c'est un produit bio, comme je vous disais, toujours bio, cosmé bio, etc. C'est une eau de fruits au pamplemousse, donc contenance du flacon 50 ml. Alors, c'est vrai que 50 ml, on ne dirait pas, mais c'est petit. D'une valeur de 35 euros. Alors là... non. Je sens pas le pamplemousse, là, franchement. Eau de pamplemousse, propriétés antioxydantes et purifiantes, va à coup sûr redynamiser vos journées. D'accord ? Pour compléter les vertus miraculeuses du pamplemousse, le produit contient également une légère touche d'aloe vera, ce qui participera à la protection de votre peau. Un peu de fraîcheur pour la chaleur qui... Non, 35 euros pour 50 ml. Non, surtout que là, bah, je sens pas forcément le pamplemousse. Sans alcool, sans graisse animale, made in France, bio, ok. Mais honnêtement, le prix... là j'ai un peu de mal, franchement. Bon, après ce n'est que mon avis, mais c'est vrai que ça fait que 50 ml quoi, donc 35, ça fait là ça tilt, hein. Bon, après je ne l'ai pas testé, donc je pourrais dans tous les cas vous en reparler dans une vidéo ultérieure et certainement dans les produits terminés, parce que 50 ml ça fait vraiment pas grand chose. J'espère qu'il en faut très peu honnêtement pour sentir les bienfaits du produit, mais sinon là pour le coup je suis un peu refroidie, mais comme vous savez qu'en général je vous dis la vérité et que je ne cache rien, voilà, ni ce que je pense, ni ce que... Voilà, je ne suis pas du genre à dire ce qu'on a envie, à dire ce que l'on veut que je dise, voilà. Ensuite, eh bien, je vous propose de découvrir une proposition de location de robes, donc ELS Collection, qui est au 5 rue Beaujon à Paris. Valeur du bon 150 euros, valable jusqu'au 15 mai 2018 sur elscollection.fr. Donc, en gros, c'est une boutique basée à Paris qui fait du Kenzo, du Alberta Ferretti, pour les cocktails, etc. Pardon, Michael Kors, Roberto Cavalli, Carven. Et donc, qui vous offre la possibilité de louer une robe avec un bon d'achat de 150 euros. Clairement, c'est pas possible, à part si on vit sur Paris. En tous les cas, je vous mets le bon. Clairement, moi, j'ai un code que j'offrirai parce que je ne vais jamais à Paris. Je ne loue pas de robe de cocktail. C'est un peu, excusez-moi du terme, là, pour moi, personnellement, inutile. Voilà, tout simplement. Après, bon, quelques-unes d'entre vous pourraient en avoir besoin. Donc, je vous le mets en barre d'infos. Il est à un usage unique. Donc je ne sais pas si tout le monde pourra en profiter, mais dans tous les cas j'essaye quand même de vous le faire passer. Ensuite nous avons la jolie carte, donc voilà, pour rester dans le thème de la location de robes. Et puis il me semble que c'était aussi le red carpet, voilà, où j'ai vu des choses de L'Oréal se passer, voilà, tapis rouge à Cannes, machin. Donc je pense qu'ils ont repris aussi cette idée là pour faire leur illustration, que j'aime beaucoup par ailleurs. Ensuite, nous avons alors quelque chose de différent par rapport à ce qui est voilà, proposé d'habitude. C'est un kit. Alors, attendez, hein, faut que je l'ouvre parce que je ne l'ai pas vu. C'est un kit avec une petite... rope. Comment on dit ? Une ficelle avec des petites pinces à linge, mais mini pinces à linge. Sur laquelle vous pouvez fixer des photographies pour faire un petit peu le tour du monde. Donc là, en gros, vous avez des photos en noir et blanc. Vous avez des photos, excusez-moi pour la brillance, d'un petit peu des endroits différents dans le monde, de cinéma, etc. Voilà, de voitures. Et celle-là, elle est magnifique. Enfin, c'est celle que je préfère. Donc, clairement, ce n'est pas vous qui choisissez les photos. Ça, je pense qu'ils auraient pu... Et ce n'est qu'un avis personnel. Je ne m'en prends à personne. Ne vous inquiétez pas. Je ne crache pas non plus sur ce qu'on m'envoie. Qu'on soit bien... Hein. Je trouve que le concept aurait été beaucoup plus rigolo avec, par exemple,
un code qu'on vous donnait, ben, comme là le code pour louer des robes. Le concept aurait été un peu rigolo si on avait proposé la possibilité d'imprimer des photos personnelles. Voilà, tout simplement. Donc les 15 mini photographies de 8-10 cm, 15 mini pinces, une ficelle d'1m50, la boîte de déco pour 19€ sur weightgallery.com. Donc là oui, pas pour des... Franchement, hein, honnêtement, pas pour des photos pré-imprimées, mais des photos perso, ouais, ça l'aurait vraiment, vraiment bien fait. Voilà, parce que chacun n'aime pas forcément telle ou telle chose. Après moi, voilà, ma préférée, c'était la dernière que je vous ai montrée parce qu'elle est vraiment très jolie. Ensuite, pour le coup, vous avez un livre que je vous conseille réellement. Et honnêtement, pour le prix de la box, ça rentabilise clairement avec le make-up, ça rentabilise toute la box. Voilà, qu'on soit clair. C'est Adopter la Slow Cosmétique de Julien Québec. Alors, cette personne fait des vidéos sur YouTube. J'essaierai de vous trouver l'adresse du... Enfin, le lien de sa chaîne. Et il est aussi chroniqueur pour une... pour France 5, en fait, sur des émissions où il propose du bio, du slow cosmétique. Donc, clairement, des conseils, des recettes beauté pour consommer moins et mieux. Surtout le mieux, quand je vous dis, voilà, personnellement, je préfère des choses qui sont sans ci ou sans ça. Eh ben, je pense qu'à l'intérieur, vous aurez... En gros, c'est un guide pratique pour tous ceux qui ne savent pas choisir leurs produits. Donc voilà, soigner, réparer les petites imperfections, plaisir de se maquiller au naturel. Donc voilà, les recettes pour confectionner vous-même vos cosmétiques, nettoyer la peau, hydrater et protéger la peau, etc. Vous avez tout ça là-dedans. Et honnêtement, j'adhère, j'adore. Je vais bien entendu me pencher sur la question, puisque vous savez que je fais quand même attention à ce que je consomme. Mis à part le fait que les marques m'envoient des produits pour les tester, et j'en suis consciente et j'en suis heureuse. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, malheureusement, dans ma communauté en tout cas, sont allergiques à tel ou tel ingrédient, ou ont des intolérances à telle ou telle chose, ou ne veulent... Alors, je ne veux pas toujours proposer que du bio, mais c'est vrai que j'aime proposer des choses qui sont, en tout cas, dans la composition clean ou passable. Pas dans le sens péjoratif du terme, mais vraiment dans le sens où ça peut le faire, même s'il y a quelques ingrédients, voilà, où c'est quand même des conservateurs, mais pas cancérigènes ou pas perturbateurs endocriniens. Mais c'est vrai que j'aime bien, voilà, quand je vous propose les produits, vous dire attention à telle chose, attention à telle chose, puisqu'il y a des gens qui ne peuvent pas tolérer ou qui ne peuvent pas consommer ce type de produit. Moi, pour l'instant, je n'en fais pas des intolérances, donc j'en suis bien consciente. Et ben, j'en suis ravie parce que je peux tester quand même des choses qui sont sur le marché parce que certains laboratoires ne font pas l'effort de faire du slow cosmétique, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais bon, du coup, je vais adopter ce livre, le mettre sur ma table de chevet et un petit peu m'instruire pour vous donner quelques petits conseils, bien entendu en le nommant, sur cette chaîne. Voilà. Et ensuite, pour terminer, comme vous le savez d'habitude, il y a des fiches pratiques. Donc là, vous avez un velouté glacé à la courgette, tout simplement, préparation. Une idée déco, c'est un vase en origami, donc pour mettre des cactus, etc. Voilà la petite représentation. Et ensuite, vous avez un masque hyper nourrissant à l'avocat et à la banane. Donc voilà, avec une cuillère à soupe de miel. Et faire des pompons pour décorer un sac. Voilà, tout simplement. Donc les pompons, c'est très simple. Mais quand on a la fiche pratique, c'est quand même mieux. Vous avez compris qu'on en a terminé avec cette vidéo, puisque je viens à bout de cette box. Vous savez que je l'aime beaucoup. C'est une des box qui, en général, elle me satisfait, elle ne me déçoit jamais. Un peu comme la Sweet Sparkle, donc je suis bien contente d'être dans leur liste de testeuses. Je les en remercie beaucoup. Et puis vous, ça vous permet aussi d'avoir un avis qui soit plus ou moins objectif, hein. On en est bien conscient. Mais voilà. Donc pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose, mes chouquettes. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas que je vous aime. Bisous, ciao !